les annonces. Avance, à gauche. Fais gaffe aux escaliers. Allez, avance. Va sur la droite. Allez, avance. Bouge-toi. À gauche. À gauche encore. Tout droit. Ok. Allez, passe-toi. RPG-7, tu connais? Bien sûr. D'après ce qu'on m'a dit, c'est l'idéal pour le job. Tu confirmes? Normalement, ce serait parfait. Mais là, il y a un problème. Je t'avais dit, Malik. Ce mec, il sert à rien. C'est pas compliqué à utiliser ce truc. Je le ferai, moi. Laisse-le parler. Il n'y aura pas de problème. Laisse-le parler, je t'ai dit. Lance-roquette, il est OK. Ce qui colle pas, c'est les munitions. C'est pas de la charge creuse. C'est du thermobarique. Et alors? Alors, si tu veux cramer des passants dans un rayon de 10 mètres, ça va le faire. Pour un blindage de fourgon, ça va à peine les gratiner. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais bébard, c'est ça? Bah, je sais pas, peut-être qu'il y connaissait rien, le mec qui te l'a vendu. Tu l'as vu venir, celle-là? Ah, attends. Moi, j'ai juste dit que viser, shooter, je pouvais le faire. Et s'il y a du vent, tu sauras compenser? Ça va, je me serai renseigné. Qui dit que ce mec, il a pas juste cherché des infos sur Internet avant de venir? Tu sors d'où, d'abord? T'as raison, j'aurais dû commencer par les présentations. Je te présente Ousmane. T'es dans quelle armée déjà? Mauritanie pendant 5 ans. Mais laisse béton, je crois que ça va pas le faire. M'avait l'air d'une putain de bande d'amateurs. T'as quel âge? 17 piges, t'as 3 poils dans le cul, tu te prends pour un ours. Écoute-moi bien maintenant. Adrien, j'ai confiance en lui, il fait partie de la famille. Il monte avec moi sur le braco, je te demande pas ton avis. Par contre, toi, je te connais pas. T'as des références, ok, mais qui me dit que t'es pas un mytho? Ou pire encore, un putain de keuf.